En fait, les amis, comme vous le savez, la guerre est loin d'être terminée entre blogueurs, influenceurs et rappeurs. Et aujourd'hui, le blogueur Nabil El Moundi se fait agresser. Et il accuse Poupette Kenzansa pour autant savoir, d'après ses révélations, qu'il a eu des problèmes avec pas mal d'influenceurs, artistes, rappeurs et blogueurs aussi. Et pour rappel, l'affaire de sorcellerie entre Carla Moro, 2 ans après les premières révélations, le scandale de la sorcellerie qui avait coûté cher à Carla Moro, refait surface. En effet, Nabil a voulu prouver que la candidate de télé-réalité avait menti lorsqu'elle s'était défendue sur le plateau TPMP. Mais aussi l'affaire de Marwa Loud et l'artiste. Donc Nabil a fait une documentaire sur cette affaire aussi, qui a fait buzz sur les réseaux sociaux. Mais aussi on voit ses problèmes avec Poupette Kenza tout récemment. Et Nabil essaie d'approfondir ses accusations sur la création de l'orphelinat. Mais aujourd'hui, Nabil se fait agresser. Et pour plus de détails, on va écouter ses propos car il accuse Poupette Kenza. La famille, je viens de finir mon tournage. Du coup, j'ai enregistré la conclusion. En fait, tout était tourné, il me manquait la conclusion à faire. Donc ça va rejoindre le reste des rushs en montage. Ça devrait vraiment, vraiment, vraiment plus tarder. Mais je voulais réagir par rapport à un truc. En parallèle de ce documentaire-là sur la douille de l'orphelinat, puisqu'il y a des centaines de milliers d'euros qui ont été arnaqués, je suis sur un autre documentaire qui n'a rien à voir. Rappelez-vous, de base, je vous ai dit je suis sur un documentaire qui concerne un rappeur, etc. Et j'ai arrêté en plein milieu, justement, pour récupérer l'argent des orphelins marocains. Donc, dans le cadre de mon autre documentaire, là, sur le rappeur, j'ai contacté tout le monde, toutes les parties concernées, en leur disant que j'étais en train d'enquêter, etc. Que j'allais sûrement venir les voir, que je voulais un rendez-vous. Et j'ai quelqu'un qui m'a orienté vers une personne qui aurait des choses à me dire. Donc je suis allé voir cette personne, elle m'a raconté des choses de fou, elle m'a raconté qu'elle était jeûnée, etc. J'ai voulu l'aider, justement, dans le cadre de mon documentaire. J'ai vraiment fait en sorte de l'aider. Et il y a 2-3 jours, cette personne-là, dans un coup de folie, je pense, elle est venue devant chez mon assistante, donc elle a sonné, et elle est accompagnée d'un homme. Et donc je suis sorti. Je suis là-bas, claquette, et c'est parti en bagarre. Le mec m'a mis un coup de crosse, ils m'ont sauté dessus les deux, mon assistante est sortie, du coup ça a fini en bagarre, eux deux contre nous deux. Ce qu'il y a, c'est que tous les. La famille, ils sont venus armés. La honte, ils sont venus armés à deux, ils sont partis dans un camion de pompiers. On a récupéré l'arme, les clés de voiture, le. Enfin bref, quand la police est arrivée, parce qu'en fait tous les voisins sont sortis, on se bat, mais elle, la meuf qui est venue chercher la merde et tout, elle se fait éclater et elle commence à crier: je suis enceinte! Je suis Attention, enceinte! J'aimerais juste dire quelque chose, c'est moi qui l'ai touchée, c'est pas Nabil. Oui, de toute façon tout est filmé, il y a des caméras devant la maison, tout a été filmé, la famille. Elle commence à crier, donc tous les voisins sortent et tout, et ils commencent à se séparer, ils encerclent le mec et la meuf pour qu'on s'en prenne à eux, mais c'est eux qui sont venus. En fait, je comprends pas que c'est eux qui sont venus s'en prendre à nous. Et même quand la police arrive, bah en fait, je pense que c'est Selma et moi les agresseurs. Tellement ils sont mal au point. Et on a dû leur montrer, leur dire, regardez, leur donner l'arme. Ils sont venus avec une arme, ils m'ont crossé. Il y a les caméras de surveillance. D'ailleurs, elle est venue avec un mec, c'est pas méchant, mais presque elle se battait mieux que le mec. J'ai quand même marave. Ouais. Tu viens de le dire. Selma, elle l'a pris, elle l'a plaqué au sol, il a pas bougé pendant 15 minutes. Alors, elle a dit que c'est parce que j'étais grosse, je tiens à dire que je fais 68 kilos. Non, je sais même pas si elle a parlé. En tous les cas, la famille, je sais pas ce que j'ai entendu, ouais, il s'est fait casser une épaule. Rien du tout, j'ai eu 3 griffures ici. Ils sont repartis.
dans une ambulance. C'est-à-dire que quand la police est venue, la police a pris les dépositions de Selma et moi, et ils ont appelé l'ambulance pour venir les chercher. Donc il y a deux ambulances qui sont venues les récupérer. C'est filmé, il y a des caméras. Tout ça, c'est juste devant chez mon assistante. Donc il y a des caméras. Tout a été filmé. À un moment donné, elle a fui, elle a laissé son pote dans la merde. Quand elle voyait ce qui était en train de se passer, elle est partie chercher sa voiture et elle est revenue. Et en revenant, bah, je suis rentré, je lui ai pris les clés de la voiture. En fait, on les a bloqués jusqu'à ce que, parce que les voisins ont appelé la police, la police vienne. La police, elle est venue. Comme je vous ai dit, ils ont appelé les ambulances, ils les ont fait partir. Et moi, 10-15 minutes après, quand je me suis refroidi, je sens que j'ai du mal à. C'est vrai, j'avais du mal un peu à bouger mon épaule. Je me suis nuxé l'épaule. Ils me l'ont remis en place. Une fois qu'ils me l'ont remis en place, ils m'ont dit tu dois faire une radio pour voir que tout est bien. Donc je suis allé à l'hôpital, j'arrive à l'hôpital, ils sont tous les deux là-bas. Elle a un truc comme ça au cou, elle est allongée, lui il est dans une pièce avec un médecin. Et le temps que je fasse la radio, moi, de l'épaule, il n'y a rien, je ressors. Ils ont appelé trois autres mecs qui sont débarqués, qui m'attendaient à la sortie de l'hôpital. Donc ça, c'est grosso modo ce qui s'est passé, l'histoire. Mais vous allez la voir en détail. L'histoire en détail, puisque, voilà, la famille, on a toutes les images. Même quand ils sont à l'hôpital, bah, Salma les prend en photo. Elle, dans son lit d'hôpital, etc. Donc vous allez tout voir. Et je sais pas, parce que là, elle est en train d'écrire à plein de blogueurs en disant « Oui, Nabil, il s'est fait défoncer. » C'est complètement folle ou quoi? Bref, les images, ils parleront d'elles-mêmes. J'ai eu son mari hier, son mari me fait de la peine, parce que ça se voit, c'est un bon gars. J'ai eu son mari encore hier, il m'a dit « Salma, elle a éclaté en fait, la pauvre. » Il m'a dit « Elle arrive même plus à bouger, je m'occupe d'elle, elle a failli perdre son enfant. » Et on m'a retenu. Ouais, mes voisins, ils étaient à 4 sur moi. Ouais, tout le monde retenait Salma. À un moment donné, elle est enceinte, c'est malheureux, mais quand on est enceinte, on va pas chercher la merde chez les gens armés. Et on saute pas chez les gens. Après, si du coup ça se retourne contre soi, bah, c'est ce qu'on appelle l'arroseur arrosé, c'est tout. La prochaine fois, peut-être que, avant de vouloir aller hacker quelqu'un, elle réfléchira deux fois parce qu'elle se dit, elle comme son pote, hein, ils se diront, bah, peut-être c'est nous, on va se faire hacker en fait. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Lui, il a pas assumé se faire hacker quand même. Lui, à la fin, il y avait tous les voisins autour de lui. Et il me disait, arrête! Toi, tu fais la prière, toi! Toi, tu. Parce que je suis sorti en Gendora, je suis sorti en pyjama, moi, de base. Tu vas pas te défendre quand t'es dans ton hack. La famille, ce qu'on va faire, je vais vous mettre un extrait. Regardez bien l'extrait. Je peux pas vous mettre toute la vidéo, elle fait 20 et quelques minutes de la bagarre. Quand on tombe, lui et moi, et qu'il fait tomber son arme, Selma, elle récupère l'arme, etc. Ça dure à peu près 25 minutes, 30 minutes. Mais je vais vous mettre un extrait de 2 minutes 45. Ça résume très bien la situation. C'est à la fin de la bagarre, quand elle n'achève, elle laisse son pote dans la merde. On est en train de le marave. Il y a tous les voisins, il y a une dizaine de voisins qui sortent, qui nous séparent, qui nous enlèvent, moi et Selma. Toutes les deux minutes, c'est un nouveau voisin qui vient m'enlever. Mais j'ai tellement le démon en fait de ce qu'ils ont osé faire. Parce que c'est une maison familiale où elle habite, Selma. Il y a ses enfants, des fois il y a sa mère, des fois il y a ma femme. Là, il y avait que moi et Selma. Mais imaginez en temps normal tout le monde qui y a. Donc je voulais tellement le marave que toutes les 30 secondes, vous allez voir, il y a un voisin qui vient, qui m'enlève, qui me tire. Bah, Al-Shaitan, mon frère, laissez bon, laisse tomber, etc. Et jusqu'à elle, à un moment donné, je la vois revenir. En fait, elle était partie chercher sa voiture. Je pensais qu'elle avait fui. Elle va chercher sa voiture. Elle descend, elle lui dit viens, monte. Sauf que nous, on le bloque. Il ne peut pas repartir. Et du coup, je fais quoi? Je monte dans la voiture, je la démarre, je la gare un peu plus loin, je récupère les clés, je récupère le téléphone qu'il y a sur le tableau de bord, jusqu'à ce que la police arrive. Et je rends les clés à la police quand la police arrive. Donc, ils sont venus de base pour mettre une hagra avec une arme, parce que de base, ils m'ont mis un coup de crosse. Ils sont repartis sans l'arme. C'est nous qu'on l'a remis entre les mains de la police. Sans son téléphone, c'est moi qui l'ai, il est encore là. Sans les clés de la voiture, moi je les ai rendus à la police et dans un camion d'ambulance. La honte. Et là, elle ose contacter tous les blogueurs. Moi je les connais tous, je m'entends avec tout le monde. Le petit Skyres, parce qu'il a été contacté pour lui dire ouais, Nabil s'est fait marave. Tabzal a été contacté pour lui dire Nabil s'est fait marave. Arrêtez de. Personne s'est fait marave. Personne s'est fait marave. À part vous. Voilà, les seules personnes qui se sont fait marave, je les ai en vidéo. Vous allez le voir dans le documentaire.
Bon, bref, les amis, c'était ça, les propos de Nabil concernant son agression. Et comme vous le savez, plus que moi, Nabil, donc, il s'embrouille avec pas mal de blogueurs ou d'influenceurs. Aujourd'hui, il accuse Poupette Kenza, donc, suite à son agression. Mais ce qui est bizarre, c'est que Nabil, il a eu des relations prétendues avec toutes les influenceurs depuis ses révélations. Et pour le moment, Nabil peut attendre à d'autres choses plus pures que ça, car ces influenceurs, ils ont de l'argent d'après leurs arnaques et leurs placements de produits, et ils veulent toujours garder la tête haute dans les réseaux. Donc, si Nabil veut les éliminer, donc il préfère éliminer Nabil. Donc, c'est pourquoi nous on prévient Nabil. Donc, de ces révélations, parfois Nabil, donc il n'apporte pas de preuves assez concrètes. Il cherche que du buzz. Donc, comme le cas de Nabila, donc Nabila avec la Gilsi Family. Donc, l'histoire où Nabil a décidé de blancer donc les preuves, mais tout le monde savait que Nabil n'avait pas assez de. Et c'était ça, les amis. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.